Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Alric, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 76 du Rock Food Battle Kaitos Origins. Je vous retrouve une fois, deux fois, trois fois, 10 000 fois n'est pas coutume en voix off. C'est une vidéo à nouveau de quête annexe. J'ai vraiment essayé de bourrer sur la fin sur la fin du jeu, la fin du Rock Food, toutes les quêtes qui me restaient. On commence avec une vieille dame dans les sous-sols de la résidence de Rodolfo à Faircad. Il faut lui donner une Goupille Machina Oil. Goupille Machina Oil qui s'obtient avec une Machina Oil. Il faut attendre 2 heures avant qu'elle évolue. Sachant que la Machina Oil, comme on l'a déjà vu au début du jeu, elle s'obtient dans la maison de Camilla Amintaka sur le continent d'Alfard. On continue justement sur le continent d'Alfard. On revient au tout début, en fait, sur le lieu du tout premier boss, dans les couloirs qu'on fuyait Valhara. Il y a 2 PNJ qui sont arrivés, qui demandent du vin, ou plutôt du cidre de pomme de montagne, en récompense de... Enfin, ils vous donnent des petites récompenses sympathiques. Le cidre de pomme des montagnes, il s'obtient avec 2 pommes des montagnes, qu'on peut trouver assez balraille sur Arcade. C'est une recette, et il faut la créer avec... avec les mixeurs, et une fois que vous avez mis les 2 pommes ensemble, vous rajoutez une petite goutte sacrée qu'on trouve dans la vallée de Nunki, et ça vous donne un petit cidre. Si vous attendez que le cidre évolue, il peut évoluer effectivement en vinaigre par la suite, pour notre Magnus. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que si on continue au bout du couloir, normalement on est interpellé, au début du jeu vous vous souvenez, on est interpellé par Geldo Blame, pour s'enfuir, sauf que si vous continuez tout au bout du couloir, vous arrivez sur cette espèce de pièce où il y a plein de trucs de fortune, infortunés, où ils placent des espèces d'artefacts royaux. Ça tranche avec le reste, c'est un peu bizarre cette pièce qu'elle soit ici. Mais ce qui est intéressant en tout cas, outre les 2 coffres qui étaient à l'entrée, c'est surtout la présence des jolies pierres qui se trouvent à gauche, ou Pretty Stone dans la version originale. C'est un Magnus qu'on peut récupérer avec une recette, effectivement, une fois de plus, en récupérant 5 Mounds of Soot, des espèces de trucs un peu poivres, qui se trouvent dans une maison de Alfard. Mais c'est beaucoup plus rapide de récupérer ces Pretty Stones telles quelles, plutôt que de faire une recette qui demande 5 Magnus d'affilée. Voilà. D'ailleurs, la Pretty Stone est très utile pour la quête qui est déjà passée d'ailleurs. C'était pour un PNJ qui se trouvait dans une maison justement de Mintaka, dans les hauts quartiers, une Fire Glow Stone qui peut être créée avec les jolies pierres plus du Blaze qui est du feu qu'on récupère dans les cheminées. On a vu Sebalarai avec la Billow Smoke qu'il faut donner à une vieille femme, Billow Smoke qui s'obtient dans une caisse au premier étage du manoir de Rodolfo FRCAD. J'ai récupéré du Balm Sand en revenant dans le passé, là on se trouve à Naos, puisqu'il y a effectivement une petite fille qui demande du Balm Sand pour ses vêtements, je sais pas quoi, pour les nettoyer, pourquoi pas. On va rester ici puisqu'il y a une autre personne qui demande une petite quête. Au niveau des fleurs, voilà, bon, c'est pas très heureux tout ça, mais... Il demande des fleurs, alors c'est des fleurs qu'on peut obtenir soit dans la maison de Kusman, soit dans la jungle de Holo Holo, ou alors vous pouvez aussi laisser vieillir une fleur céleste, ou même une Art Embrace qu'on peut récupérer dans les marécages. Vous avez plein de moyens de récupérer ces fleurs, mais n'attendez pas trop, parce qu'après elle évolue en espèce de fleur figée qui n'est plus le même Magnus. Et en récompense, il faut aller examiner le petit lit qui se trouve dans la pièce d'à côté pour obtenir un Magnus plutôt rare, voilà, une espèce de home qui est utile pour des upgrades. Un petit tour du côté d'Anuenue avec un homme qui est mort de rire, c'est pas trop pourquoi, certainement parce que le tracé de grimper la cascade de manière totalement désopilante. Lui demandait une poor excuse for a joke. Donc c'est un Magnus un peu bizarre qu'on peut trouver uniquement dans le palais de Corellia, dans la première pièce à gauche. Il y a une conversation entre plusieurs PNJ assis à une table, et en leur parlant vous pouvez obtenir ce Magnus. Un petit tour dans la jungle pour récupérer un Holo Holo Fruit qu'il va falloir donner par la suite à l'éléphant, je sais même plus comment il s'appelle, l'éléphant... Olifant, voilà. Une espèce de petit olifant qui se trouve
juste ici à Oupu. Très très important puisqu'il vous donne la niche de Sedna pour la quête de Sedna. Voilà, bon c'est un peu chiant parce qu'il faut récupérer un fruit, il faut refaire le petit mini-jeu là avec le petit timing. Mais normalement une fois que vous l'avez capté, qu'on vous a appuyé au bon moment, il n'y a pas de souci. On restaure tout ça avec la roue à eau, la niche et tout. On est presque au bout de cette quête. Je crois que je la termine de façon dans tous ces annexes, peut-être pas dans cette vidéo mais dans la prochaine, je sais plus. De retour à Sebalrai pour donner le nectar de Hololo récupéré dans la jungle avec le fruit à cette petite fille qui écoute, je crois, le maire de la ville, le maire de Sebalrai. Je suis pas sûr que ce soit le maire, mais en tout cas c'est un vieux. Toutes ces quêtes-là, ça c'est fait. On passe maintenant à la suite de la quête consacrée à Valara, Yuuze et Nasca. Donc cette fois-ci, c'est le cas de Yuuze qui se trouve toujours à la vallée de Nunki qui nous attend. Tant que vous n'allez pas lui parler, de toute façon, il reste là. Il n'y a pas de souci, il ne va pas disparaître. Mais à partir du moment où vous lui parlez, la quête s'enclenche. Je vais vous laisser la scène et je vous retrouve un peu après. Well, is it just me? You look a little more fierce than the last time I saw you. That's good. Draw your blade. Let's see if you're worth my time. Voilà, premier combat qui s'enclenche. Alors lui, il est sensible. Oui, je vais donner ma puissance, bien sûr. Vas-y. Lui, il est sensible au feu, donc n'hésitez surtout pas à remplir votre deck de Magus de feu. Et à le poutrer sa gueule avec des trucs enflammés dévastateurs. Voilà. Tout simplement. Alors comme pour Valara et comme dans la prochaine vidéo je crois pour Nasca, j'ai déjà commencé à préparer. En fait j'ai essayé de préparer en parallèle toutes les vidéos annexes. Je vous raconte pas comme c'est le bazar avec tous ces fichiers là. Il y en a une vingtaine, il y en a qui durent super longtemps. Et en fait je laissais tourner les captures parce que j'essaie de faire le moins de fichiers possible pour regrouper tous les annexes. Donc j'ai dû vraiment tout couper pour monter tout ça. Et c'est vraiment le gros bazar. En plus, vous allez voir dans la prochaine vidéo, parce que je déclenche la suite du scénario. Mais en fait, je suis obligé de déclencher la suite du scénario pour avoir accès à la dernière ville. Qui me permet d'avoir accès aux derniers annexes et de finir un peu toutes les quêtes qui sont en cours ici. Donc le problème, c'est que la dernière ville, en fait, je ne l'ai pas capturée en commentant. Donc ce que parce qu'en fait je savais que j'avais déjà le patch de traduction français qui était arrivé quand je suis arrivé à ce tournage. Mais en fait ce que j'ai fait, c'est que, enfin ce que je vais faire puisque je ne l'ai pas encore fait, mais je vais recapturer la découverte de la dernière ville avec le patch français. Et je pense que je vais commenter en même temps que je tourne la découverte de la dernière ville pour que ce soit un peu plus carré, pas que je fasse une voix off encore derrière, quoique je pourrais aussi le faire, mais bon. Je sais pas trop. Bon. En tout cas, moi, pour mon cas, ça ne me change pas grand-chose de toute manière. Il va falloir que je commente ce que je fais. Et là, cette dernière ville que vous allez voir est quand même assez surprenante. Alors, vous voyez en action là, sur l'écran la jauge du boss, parce que sur Mili, j'ai équipé le fameux Magnus qui permet de voir les HP. Et ce qui est intéressant, c'est que tant qu'elle a ce Magnus équipé, espèce de d'amulette, enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement, elle a déjà plu. Mais en fait elle est pas touchée, elle reçoit 0 dégâts, c'est comme si elle était invulnérable tant qu'elle l'a équipée. Voilà, c'est cette espèce de truc qui est au milieu qui coûte 2 jauges. L'Imperial Ward. Un Magnus assez important. Bon, je tente un burst qui est totalement loupé. Hein. Comme d'habitude. Franchement, ce Wokfu, j'ai pas réussi à faire des très beaux bursts, je suis un peu dégoûté. Sauf peut-être sur la fin, je ne sais plus trop. Mais voilà. Donc après cette vidéo, donc la prochaine Yanaska, il y a pas mal de quêtes annexes, je crois qu'on va finir la quête de Sedna, on va finir la quête du Colisée aussi, mais il va falloir attendre un petit peu plus parce que le rang 5 et le rang des champions, ainsi que d'autres combats par la suite à vous montrer. Une fois que tout ça sera fini, une fois que j'aurai fini de capturer la prochaine et dernière ville, on entamera voilà, la dernière ligne droite avec le dernier donjon qui est extrêmement relou. Et on en aura fini avec ce Wokfu. Donc
Ouais, vidéo 82, peut-être 83 ou 84, ça risque de déborder un petit peu par rapport à, à ce que je pensais, mais là on est vraiment, on s'approche enfin, enfin de la fin de ce waffle. Alors, ne regardez pas trop les flammes en arrière-plan, hein, parce qu'elles sont quand même assez moches, c'est quand même un peu dégueulasse. Mais ça donne un petit côté épique, voilà, avec la forêt qui brûle. C'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il soit vulnérable au feu parce qu'il est entouré de flammes et on a l'impression qu'il attaque aussi avec du feu, Hughes. Mais je vous assure, quand vous le scannez, notamment avec encore une fois l'Imperial Ward, vous voyez qu'il est sensible au feu. Simplement. Et comme Valhara, il va falloir faire deux choix juste après, donc soit l'épargner, soit le combattre à nouveau pour définitivement l'exterminer. Et je vais vous montrer, je vous montre les deux cas en fait. Donc ça c'était le premier combat. You must feel good, now that you've beat me. But, it's too late. The Empire still has Terra's Head. Even if you stop pro-machination of the islands, it won't mean a thing. What? Why not? You'll soon see. Is he asking for another fight? What are you standing there for, Soggy? Afraid I'll beat you? I don't need a weapon! Voilà, soit le laisser partir, soit lui donner ce qu'il réclame. Alors, dans le premier choix, je l'épargne. Come on, guys. You think I care about your mercy? You'll regret this! I'll chase you to the ends of the sky if I have to! Anywhere! Just wait! Voilà, ça fait pas grand chose puisque ça nous met juste en dehors. Si on revient en fait sur la zone de combat, il a disparu, il n'y a plus personne. Donc voilà. Le deuxième choix, enfin, donc ça c'est sur ma vraie sauvegarde, sur le jeu original. Je fais le deuxième combat pour pouvoir le rentrer dans mon fil de guide, que je l'avais pas combattu dans ma première partie. Et à nouveau, il est sensible, je crois bien, au feu. Il faudra que je vérifie, mais celui-là je sais plus s'il est sensible ou pas au feu. Mais voilà, le combat en tout cas n'est pas plus compliqué, je dirais même qu'il est plus simple, puisqu'il a plus son arme sur lui, son espèce de canon de puissance à la Samus Aran. Il est devenu un pauvre petit mortel. Il était déjà mortel, mais bon. Il est quand même plus simple. Donc je vous laisse ce combat, et je vous retrouve juste après, parce qu'il ne reste que quelques petites quêtes juste après. Je sais que vous adorez ça. A tout de suite. May my blade be sharp. Level 4. Yeah. Level 5. You win. Not a bad workout. Oh.
en moins de niveau, et ça permet d'obtenir, en plus de l'ajout de Hughes dans le field guide, une arme pour Millie, qui est l'une des plus puissantes, je crois, pour elle, de type glace. Donc c'est quand même pas à négliger, hein. Si vraiment vous comptez jouer vraiment que sur les puissances, ben, je vous encourage de ne pas les épargner, de les combattre, combattre les trois Valara, Hughes et Nazca. Allez, on termine avec les dernières petites quêtes qui traînent. Au niveau de Great Mintaka, vous avez cette espèce de PNJ qui, depuis le début du jeu, pète son caca nerveux au sol parce qu'il veut respirer le même air que le Questor Verus. Vous lui donnez du fresh air qu'on peut trouver dans la pièce qui est juste à côté de la salle de la chambre de la reine Corellia à Nuée Nuée. Vous avez cette ménagère, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas elle fait la poussière du côté de la résidence de Verus. Vous lui donnez un antiseptique, elle vous donne un héros masque, Magnus plutôt rare. Alors l'antiseptique, vous pouvez le former de différentes manières, soit en mixant le Turnflower Nectar avec de l'eau de mouche, ou bien vous pouvez laisser vieillir un Turnflower pendant très longtemps, parce que le problème c'est que le Turnflower il met 300 minutes pour évoluer en Nectar, et ensuite le Nectar il met 240 minutes pour évoluer en antiseptique. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Soit vous combinez le nectar et l'eau de mouche, soit vous attendez que le nectar évolue. Et l'eau de mouche, elle se récupère au niveau de Haza dans l'Empire. Vous donnez un corps, un Rockfly's Corpse, un cadavre de Rockfly, qui se trouve dans les grottes volcaniques, un PNJ qui se trouve juste à l'entrée, et vous donne de l'eau de mouche en échange. Vous pouvez le faire quand vous voulez ça. C'est déjà passé, mais on a vu le Warm Cheers, pour lequel je vous ai déjà indiqué qu'il évoluait de manière cyclique avant Icy Cheers tous les 3 heures, et que c'est un Magnus qu'on peut récupérer de manière temporaire jusqu'à ce que le dernier donjon soit apparu, donc il faut pas trop traîner non plus. Le petit garçon au pied de l'arbre céleste qui voulait une pomme des montagnes, rien de compliqué, et enfin on termine cette vidéo avec une quête un peu... qui m'a posé vraiment des soucis parce que je comprenais rien, à vrai dire. Faut donner une sweet song à une fille qui se trouve voilà, au niveau d'une maison de Sheliak. Je vous ai montré l'entrée. Une fois que vous lui avez donné la sweet song, il faut revenir au niveau de l'Empire à Haza pour parler au mec qui chante, pour lui retirer une terrible song. Sachant que la sweet song, il faut combiner la terrible song avec un sirop d'amour qui se trouve à la vallée de Nunki. Et ensuite, le mec qui chante, il se retrouve dans la maison de Sheliak, là où était la dame. Donc ça, c'est un peu tordu. Et la dame a émigré vers Gemma. Voilà, il faut arriver à suivre. Mais surtout, ce qui m'a posé souci, c'est que c'est cette fille-là qui a déménagé, machin, qui est en voyage ou je sais pas quoi... Il faut lui donner 2 Heartbreaking Songs, donc des chansons qui fendent le cœur. Il faut lui en donner 2 d'affilée, il me semble. Si vous lui en donnez une et que vous ressortez, que vous revenez, je crois que ça ne marche pas. Mais j'ai galéré parce que je n'arrêtais pas de lui donner des terribles songs. C'était pas ça qu'il fallait lui donner, quoi. Les Heartbreaking, vous pouvez les former. De toute façon, je vous mettrai tout ça dans la description, il n'y a pas de souci. Les Heartbreaking, vous pouvez les former donc avec le Terrible Song ainsi que du sel. Le sel qu'on peut trouver au niveau de Diadem. Ou alors vous pouvez récupérer de l'eau salée et attendre un petit peu que ça évolue. Voilà. Une fois que vous lui avez donné tout ça, vous revenez à Sheliak et vous retrouvez les 2 PNJ. Et vous pouvez enfin obtenir votre récompense. Et enfin, pour finir, vous avez ce tome très pessimiste qui se trouve dans l'un des premiers villages du jeu dans le passé, au niveau de je sais même plus le nom de la ville, là où il y avait les lumières. Vous donnez encore un Heartbreaking Song et vous pourrez récupérer en récompense un bracelet. À la prochaine.